nous enseigne d'ailleurs qu'il revint en Russie quelques temps après avec des idées fortes, quelques convictions, des croquis. Nous allons les voir ensemble dans quelques instants. Et il fut élu membre honoraire de l'Académie royale des sciences, dont il s'inspira, et avec volonté véritablement de moderniser votre pays. Pierre Legrand, c'est le symbole de cette Russie qui veut s'ouvrir à l'Europe et qui veut tirer en Europe tout ce qu'elle a de grand, de fort. Et nous en avons d'ailleurs tout à l'heure évoqué plusieurs aspects, y compris dans nos échanges un peu plus particuliers. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui et qui a été jalonnée par nos plus grands penseurs, nos plus grands artistes et les chefs d'État successifs.